Bonjour à tous. Je suis donc Sandra Wabian, directrice du pôle évaluation et société au Crédoc. Et je vais vous présenter des extraits et une sorte de synthèse de différents travaux qu'on a pu mener sur le thème de l'isolement social. Donc ces travaux s'appuient notamment sur une grande enquête qui existe au Crédoc depuis 1978 et qui est menée deux fois par an et qui est financée essentiellement par des souscripteurs qui s'insèrent dans l'enquête et parmi lesquels on a eu ces dernières années l'ONPES, donc l'organisme qui s'occupe de l'exclusion sociale, la Fondation de France avec laquelle on a beaucoup travaillé justement sur l'isolement et je vais vous présenter un certain nombre de ces résultats et puis la direction de la cohésion sociale pour lesquelles on avait mené également des travaux. Donc les principaux résultats qui vont être présentés sont issus de ces différentes études qui sont toutes publiques et disponibles en ligne et qui ont été conduites pour la plupart avec Nelly Guis, directrice d'études au Crédoc. Alors d'abord, en préambule, finalement, pourquoi s'intéresser à la question de l'isolement? La première des choses qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on interroge la population sur ce qui rend les gens heureux, qu'est-ce qui les rend heureux dans leur vie actuelle, les réponses spontanées qu'on peut recoder ont beaucoup trait aux liens forts, en fait. Les enfants, le couple, la famille. Donc des liens sur lesquels on va pouvoir compter, qui vont nous aider à traverser la vie et qui arrivent bien loin de tout un tas d'autres réponses. De manière presque symptomatique, l'argent est cité par seulement 4% des individus. De la même manière, lorsqu'on travaille de manière statistique et qu'on regarde par rapport à un certain nombre de dimensions, quelles sont celles qui vont faire la différence entre les gens qui se déclarent très heureux et les autres, on a bien sûr les revenus, l'état de santé, tout un tas de dimensions, mais parmi lesquelles le lien social joue un rôle très important. Autre élément qui est important pour comprendre la place et l'impact que va pouvoir avoir l'isolement, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où le lien social est très fortement valorisé et il est, à la différence d'autres époques, visible. Chacun peut mesurer de manière presque quantitative combien d'amis à son entourage, quel est l'écart qui le sépare aux autres. Alors on peut arguer que ces liens sont factices, qu'ils sont simplement pour se présenter sous un jour positif, mais néanmoins il y a une sorte de compteur qui est mise en place et qui est très fortement valorisé. D'ailleurs la population française en a conscience, on a les deux tiers des Français qui nous déclarent que pour être intégré dans la société aujourd'hui, il faut avoir Internet. Et on a quand même plus de la moitié de la population qui est présente sur ces réseaux sociaux. Donc qui font une sorte de marqueur social entre ceux qui y sont et ceux qui n'y sont pas. Donc un capital social qui est finalement de plus en plus visible et puis qui n'est pas totalement factice dans le sens où effectivement la population s'en saisit notamment pour élargir son cercle social. On a les trois quarts des personnes qui sont membres d'un réseau social qui ont retrouvé d'anciennes connaissances par ce biais, la moitié qui nous disent avoir noué des liens avec de nouvelles personnes et même 18% qui déclarent avoir fait une rencontre amoureuse. Des liens qui se nouent via ces nouveaux canaux, qui pour autant sont des liens qu'on peut caractériser de faibles, dans le sens où lorsqu'on fait le lien entre le fait de se sentir seul et puis l'activité sur ces réseaux, on constate que ce sont les mêmes qui nous disent qu'ils se sentent très souvent seuls, qui sont très présents sur ces réseaux sociaux. Donc finalement, une forme de société où est valorisée la capacité à multiplier les liens, à avoir un capital social important qui va se révéler utile pour trouver un emploi, pour finalement avoir une aura un peu plus importante, mais qui ne va pas forcément rompre l'isolement et le sentiment de solitude que peuvent rencontrer certains. Autre élément qui vient dire l'importance de l'isolement dans notre société, c'est le regard que portent nos concitoyens sur la cohésion sociale. Les trois quarts de la population estiment que la cohésion sociale aujourd'hui en France est faible.
Et derrière ce mot, on avait travaillé avec la DGCS sur ce thème, les gens entendent beaucoup la question du lien social. Vivre ensemble, sans conflit, se parler, respecter l'autre, avoir des rapports d'entraide, bien loin devant des notions plus économiques d'inégalité, qui peuvent aussi évidemment faire partie de cette notion de cohésion sociale. Donc la vision d'une société très émiettée, comme dirait Pogam, et qui vient dire en creux le désir finalement de lien social, parce que lorsqu'on déplore une cohésion sociale fragilisée, c'est aussi que finalement on a probablement envie qu'elle soit un petit peu plus forte. Et puis un contexte assez particulier en ce moment. En règle générale, quand on demande aux gens qu'est-ce qui vient nuire à cette cohésion sociale, qu'est-ce qui fait qu'elle est fragilisée selon vous, la plupart de la population nous parle d'individualisme, d'égoïsme, une forme de société où ce serait le chacun pour soi, où chacun n'irait suivre que ses propres objectifs de manière assez égoïste. Or, avec le contexte récent, en plus de l'individualisme, qui reste toujours une des réponses qui est le plus souvent citée, la peur du repli de certaines personnes sur leur communauté vient aussi accentuer la question de la place de l'isolement, de la place du lien social. Est-ce que finalement la société va se fracturer entre plein de petits groupes qui, entre eux, seront peut-être solidaires, dans lesquels il y aura du lien social, mais où finalement le lien global dans la société sera fragilisé. Donc, on voit bien, à la fois parce que c'est un sujet d'inquiétude, pour la société, parce que c'est aussi une source de bonheur, et puis parce que c'est aussi un élément qui est très fortement valorisé dans notre société, qu'il est vraiment important de s'occuper de cette question de l'isolement. Alors l'isolement, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de me livrer à une tentative de contour. Tout d'abord, rappeler, si j'en réfère à Alain Rey, la racine du mot isolement, qui revient au mot « il », en fait, « isolato », et qui réfère vraiment à un champ sémantique plutôt négatif. On parle de l'isolement carcéral, de l'isolement lorsqu'il y a des problèmes de contagion médicale, mais aussi parfois dans un champ un peu plus positif, qui est lié à la méditation, au lien, au retour sur soi, la possibilité aussi de profiter de moments de solitude lorsqu'ils sont choisis pour se construire ou se reconstruire. On retrouve ces deux dynamiques quand on va un petit peu regarder ce que disent différents champs de scientifiques ou différents auteurs sur ces questions de l'isolement. D'abord, effectivement, ce n'est pas toujours défini d'une manière négative. Lévinas dit que la solitude fait partie intégrante de la condition humaine. Le pédopsychiatre Winnicott londonien, lui, explique que même la capacité à être seul d'un enfant qui va réussir à trouver des ressources en lui, même si sa mère ou son père est à ses côtés, est une force finalement dont on a besoin pour vivre en société, et que beaucoup de personnes peuvent apprécier cette société, qu'elles vont considérer même comme une des possessions les plus précieuses, avoir quelques moments à soi dans un monde parfois un peu frénétique. Et finalement, un chercheur plus jeune, qui s'appelle Arnaud Campéon, fait un petit peu une revue de cette littérature et montre que la différence entre l'isolement vécu positivement ou pas, c'est finalement le fait de l'avoir choisi, qui ne soit pas à la fois définitif et non plus écrasant. Lorsqu'on rentre dans le champ de l'isolement vécu de manière plus négative, là aussi, on n'a pas toujours des définitions concordantes. Alors parfois, vous entendrez parler de solitude, parfois vous entendrez parler d'isolement, et chacun a sa définition qui ne se recoupe pas nécessairement. Par exemple, Norbert Elias, donc, qui travaillait beaucoup sur le lien social, lui voit la solitude comme quelque chose de très large, qui va inclure tout un tas de notions, et qui finalement va avoir trait à, pour reprendre ses termes, une forme de solitude étroitement sociale apparaît quand un être vit dans un lieu ou dans une position qui ne lui permette pas de rencontrer des êtres du type dont il sent qu'il a besoin. Donc une notion très large, et lui va choisir le mot de solitude. Jean-Claude Kaufmann, à la même époque, lui va faire la différence entre l'isolement qu'on dirait objectif,
je n'ai pas de lien avec autrui, je vois très peu des gens, et le concept de solitude qui serait quelque chose de plus ressenti, subjectif. On pourrait très bien être isolé et en même temps ne pas se sentir seul, et l'inverse, voir des gens et finalement ne pas pouvoir se confier, ne pas avoir le sentiment d'être épaulé dans la vie et donc se sentir seul. Donc je ne vais pas chercher à trancher entre ces différentes définitions. Par contre, j'ai essayé de regarder un petit peu dans différents types de travaux, à la fois menés par le CREDOC, mais également par des institutions européennes, sur le pourcentage de personnes qui se sont dans ces différents types de situations. Alors là aussi, les définitions, les types de mesures sont tout à fait discutables et sont aussi nombreux que les auteurs. On peut avoir des définitions quantitatives, est-ce qu'on a rencontré un certain nombre de personnes ? Des définitions plus subjectives, est-ce que quand on a une difficulté, on est capable d'avoir quelqu'un ? Il y a quelqu'un dans notre entourage qui va pouvoir nous aider ? Est-ce qu'on peut se confier en moment de difficulté ? Donc vous voyez, tout ça est bien entendu tout à fait légitime. Mais ce qui est intéressant, c'est que quels que soient les indicateurs, on est toujours aux alentours de 10% de la population, soit 5 millions de personnes qui sont dans cette situation, on va dire, de difficulté, de pauvreté relationnelle. Donc en 2003, on avait des travaux de l'INSEE qui indiquaient 11 personnes qui n'avaient parlé qu'à 4 interlocuteurs ou moins au cours de la semaine précédente. En 2006, l'enquête statistique Income and Living Condition comptabilise aussi 10% de Français qui ne peuvent pas demander de l'aide à des voisins, des amis ou des relations. Là, plus récemment, en 2012, la Fondation Dublin repère aussi 10% de la population qui ne peuvent pas obtenir d'aide non plus, mais là, cette fois-ci, lorsqu'ils se sentent un peu déprimés. En 2015, 13% de la population déclare se sentir souvent seule. Et puis plus récemment, en 2016, la dernière enquête qu'on a menée pour la Fondation de France au CREDOC, via l'enquête conditions de vie et aspirations, a mesuré également 10% de personnes qu'on a considérées cette fois-ci objectivement isolées, c'est-à-dire non pas en prenant en compte leurs ressentis, mais en regardant la fréquence des liens qu'ils pouvaient avoir et en allant chercher les personnes qui n'avaient de liens fréquents dans aucun des réseaux, ni amical, ni familial, ni via le travail, ni associatif, ni via le voisinage. Donc 5 millions de personnes, 10% de la population, qui sont-ils ? Alors on a un certain nombre de facteurs qui reviennent, quels que soient les indicateurs mesurés, et donc dont je vais vous faire un bref rappel. Tout d'abord, je vous apprendrai probablement rien, la question de l'âge. Donc les personnes âgées sont beaucoup plus nombreuses à se sentir seules que le reste de la population. On a en moyenne, je vous disais, 12 à 13% de la population qui se dit qu'elle se déclare souvent seule. À partir de 70 ans, on est à 20%, donc un taux quand même supérieur. Et si on place le curseur à souvent ou parfois, on arrive à plus de la moitié des personnes de 70 ans et plus qui déclarent se sentir souvent seules. Plus généralement, sur ce sentiment de solitude, je vous ai mis tous les chiffres pour que vous puissiez vous y référer, on retrouve des populations qui sont plus démunies, donc avec des niveaux de vie plus modestes, des personnes en situation de handicap, des personnes seules, qui vivent seules, des personnes qui sont au foyer et puis des foyers monoparentaux. Donc là, on était sur le sentiment de solitude. Je ne vais pas pouvoir évidemment faire un bilan sur tous les indicateurs, mais on retrouve ces données lorsqu'on parle également d'isolement. La proportion de personnes qui sont isolées, donc qui ont très peu de contacts physiques, de rencontres avec aucun des réseaux sociaux qu'on avait identifiés, est de 14% chez les bas revenus contre 6% chez les hauts revenus. Donc il y a vraiment une fracture, on va dire, des questions d'inégalité sociale sur cette question du lien social. De la même façon, les chômeurs sont beaucoup plus nombreux à être en situation d'isolement, c'est-à-dire finalement un cumul de manque de liens. Non seulement le travail, bien sûr, on le sait, est une source de liens social, et donc évidemment ils n'ont pas accès à ce lieu, mais également ils se retrouvent plus isolés, que ce soit vis-à-vis des liens par rapport au voisinage, aux amis, à la famille. Dans les catégories sociales, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, les personnes qui sont au foyer aussi sont plus nombreuses à être en situation d'isolement, ainsi que les ouvriers.
Les non-diplômés, donc on retrouve toujours une forme de catégorie sociale, sont également les plus isolés. Donc on sait de longue date que le niveau de diplôme favorise une certaine confiance en soi, également un réseau social de fait un peu plus élargi, ne serait-ce que par le biais des études, et puis une capacité aussi à aller créer des liens, les faire vivre, qui vont être liés finalement à un bagage éducatif qu'on observe bien lorsqu'on regarde la différence du taux d'isolement suivant le niveau de diplôme. Alors, au-delà de ces facteurs, on va dire, sociodémographiques relativement classiques, il y a aussi un lien très fort entre la situation de santé des individus. Parmi les personnes qui considèrent que leur état de santé est dégradé, qu'il est peu satisfaisant par rapport à des personnes de leur âge, le taux d'isolé monte à 26%. Il est également de 16% chez des personnes qui nous disent avoir souffert d'un état dépressif au cours des 4 dernières semaines. Et puis, au-delà de ces facteurs, on va dire, un petit peu qu'on retrouve, quels que soient les indicateurs choisis, le revenu, l'âge, la situation familiale, on a aussi des moments de rupture dans les parcours, des moments de rupture biographique, la séparation, la perte d'un proche, la perte de l'emploi, qui vont être des moments qui vont accentuer cette solitude, à la fois parce qu'on va perdre quelqu'un ou une relation qui était très sécurisante, mais également parce que ce sont dans ces moments-là que l'écart entre les personnes qui avaient déjà un réseau social important et les autres va être encore plus visible. Des chercheurs qui expliquent que finalement la différence aujourd'hui avec peut-être des périodes passées, c'est qu'on est dans des trajectoires de plus en plus individuelles, donc ça on le sait, un certain nombre de réseaux de solidarité se sont affaiblis, et donc finalement on demande aux individus, non seulement on attend des individus qu'ils trouvent des ressources en eux, mais on valorise cette recherche. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas être capable, en situation difficile, lorsqu'il a perdu un proche, lorsqu'il s'est séparé, d'aller mobiliser son réseau social, et à sa solitude va s'ajouter en fait une forme de difficulté liée à l'échec, de ne pas avoir réussi à avoir mobilisé ce réseau, et une forme de béance finalement qui devient très, très visible. Non seulement je suis seule, mais en plus je me rends compte qu'en cas de difficulté, personne finalement n'est autour de moi pour m'accompagner. Donc au-delà des critères, on va dire, relativement connus, on a aussi tout un tas d'éléments qu'on a fait rentrer dans ce qu'on a appelé le cercle vicieux de l'isolement, c'est-à-dire qu'il est difficile de savoir dans quel sens les critères jouent. Est-ce que ce sont les personnes isolées vont avoir, vous allez le voir, partent moins en vacances? Est-ce qu'elles partent moins en vacances parce qu'elles ont peu d'amis et que donc elles se retrouvent isolées, ou est-ce que c'est parce qu'elles partent en vacances aussi qu'elles sont isolées, puisqu'on sait que les vacances, par exemple, sont aussi un facteur de lien social. Donc une sorte de mécanique, de boule de neige de l'isolement, où au départ la situation est difficile, et puis tout un tas de critères qui vont permettre à d'autres personnes de la société de créer, de renouveler leur lien social, seront plus faibles chez les personnes isolées. Alors tout d'abord, la fracture numérique, je vous en parlais tout à l'heure. On peut avoir différents avis sur ces liens numériques, néanmoins ils sont aujourd'hui très présents et ils font aujourd'hui beaucoup la différence entre les individus. Or, les personnes isolées sont plus nombreuses à dire qu'elles se restreignent sur le plan de leurs dépenses en matière de nouvelles technologies. Elles sont également plus nombreuses chez les personnes qui ont peu de contacts à distance, que ce soit par mail, par téléphone. Donc on le sait, tous les travaux sur le numérique le montrent. Plus on se voit, plus on s'appelle, plus on s'envoie de mails, plus on est sur Facebook. En fait, ce sont des formes de sociabilité qui se cumulent, qui ne se remplacent pas. Et donc, on a à la fois un isolement physique, on va voir très peu de gens autour de soi, et en même temps, on aura très peu de liens par mail ou par échange numérique. Une forme de retrait aussi de vie de la cité, des activités culturelles et de loisirs qui peuvent être aussi des sources finalement de liens. Donc les personnes isolées sont plus nombreuses chez celles qui ne fréquentent jamais d'équipements sportifs, qui ne vont jamais au cinéma, qui ne fréquentent pas de bibliothèque. On sait que la visite au musée aussi est un moment de lien social. Donc moins d'activités, et puis aussi une difficulté à aller chercher des liens même autour de chez soi.
dans l'enquête qu'on a conduite donc pour la Fondation de France, on demandait aux gens si, au-delà de ces pratiques, on va dire, associatives, culturelles, relativement bien connues, est-ce qu'il était possible pour eux facilement d'organiser des choses entre voisins, comme des fêtes, ou de se faire des amis autour de chez eux, de rencontrer des gens, de discuter dans un cercle géographique, on va dire, proche. Et on retrouve plus de personnes isolées dans ces personnes qui nous disent que non, c'est compliqué d'avoir des relations autour de chez soi. Les vacances, hein, je vous en parlais tout à l'heure, plus de personnes isolées chez les personnes qui ne partent pas en vacances. Il faut rappeler que dans les travaux qu'on a menés pour l'ONPES sur qu'est-ce que c'est qu'un budget dont on a besoin pour être intégré dans la société, les vacances sont un élément important. Donc c'est pas un facteur, on va dire, simplement de bien-être ou quelque chose d'accessoire, c'est aussi un moment où on va avoir un temps différent de sociabilité avec ses proches, rencontrer des nouvelles personnes. Rompre un petit peu aussi le quotidien. Tout ça, ce sont des critères qui vont favoriser une forme de confiance en soi, de retour à un quotidien de manière un petit peu plus sécurisée. La pratique aussi religieuse est un élément qui est de longue date, hein, différenciant. On a plus de personnes qui se disent isolées chez des gens qui déclarent n'avoir ni pratique ni sentiment d'appartenance religieuse. Et on comprend aussi, à l'inverse, avec ces données, l'attrait que peuvent représenter différentes communautés pour se retrouver, pour créer du lien. Alors, quelles sont les conséquences de cet isolement pour... au-delà des individus, peut-être la société elle-même. Une des choses qu'on constate, c'est que globalement, sur un certain nombre d'indicateurs, les individus qui sont en situation d'isolement sont dans une forme de retrait par rapport à la vie citoyenne. On demandait aux gens dans notre enquête, est-ce qu'ils votaient en général ? Est-ce qu'ils votaient en règle générale, sans préciser les élections, simplement pour avoir un peu un indicateur. Alors évidemment, on ne sait pas s'ils ont vraiment été jusque dans les urnes, mais ça permet en tout cas d'afficher la volonté d'être inscrit dans un processus électoral démocratique. On a 60% de l'ensemble des Français qui nous déclarent qu'ils votent régulièrement, et seulement 47% chez les personnes isolées. Donc un vrai écart. Un écart aussi dans la confiance qui est apportée aux différentes institutions. Systématiquement, quelles que soient les institutions que l'on aborde, que ce soit l'école, les organismes de protection sociale, les entreprises, les associations, les personnes qui sont en situation d'isolement se déclarent toujours moins confiantes. Il y a réellement un véritable enjeu, puisqu'à la fois on voit bien que ces institutions pourraient être aussi des moyens pour les individus de rompre, hein, cet isolement, pourraient jouer un rôle de protection sociale, de lien social, et qu'il y a une forme de repli sur soi qui s'installe aussi avec l'isolement et qui rend la situation encore plus difficile à rétablir. De la même manière, la confiance en autrui est beaucoup entamée. En France, en moyenne, on a une partition entre une moitié de la population qui se dit en règle générale confiante dans les autres et une moitié qui se dit plutôt méfiante. La proportion est beaucoup, beaucoup plus importante. On a 65% des personnes isolées qui se disent méfiantes dans les autres. Là aussi, il est difficile de savoir, hein, dans quel sens ça joue. Est-ce que c'est une attitude générale de méfiance qui va créer cette situation d'isolement, ou à l'inverse, cette situation d'isolement qui va faire que, en ayant l'impression d'être un peu abandonné, qu'on peut avoir vraiment confiance en personne, bah finalement on va se trouver et s'installer dans une situation de repli vis-à-vis des autres. De la même manière, le sentiment d'exclusion, d'être abandonné ou inutile est beaucoup plus élevé chez les personnes qui sont en situation d'isolement que chez celles qui vont pouvoir convoquer un réseau de sociabilité, voire plusieurs. Et puis le regard sur l'avenir même va en être affecté. Plus de la moitié des personnes qui sont isolées déclarent qu'elles pensent que leurs conditions de vie vont se dégrader dans les 5 prochaines années. Alors, là aussi, on a vu que c'était des personnes qui avaient des revenus plus faibles, qui avaient parfois un état de santé plus difficile, donc difficile de tout démêler, mais néanmoins, on est face à des personnes qui sont globalement ont un regard négatif, on va dire, à la fois sur autrui, sur leur avenir, sur elles-mêmes, et qui vont donc poser des questions aussi de comment aller les chercher et comment rompre cet isolement. Autre élément important pour la société, on a travaillé pour l'ONPES sur la question de l'invisibilité sociale. On a demandé aux gens, est-ce qu'ils avaient l'impression d'être confrontés à des difficultés importantes que les pouvoirs publics ou les médias ne voyaient pas vraiment.
quand on a posé cette question, on pensait qu'on allait avoir 10-20% de la population qui allait nous déclarer être dans cette situation. On est à des taux bien, bien supérieurs, près de 50%, voire même presque 70%, suivant où on met le curseur, a le sentiment d'être invisible, d'avoir des difficultés qui ne sont pas vues ni par les médias, ni par les pouvoirs publics. Donc qu'est-ce que ça dit, ce chiffre? Ça dit quelque part aussi le formidable besoin de reconnaissance de la population. Et l'idée qu'on est dans une société où aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un toit, ou d'avoir un travail, ou d'avoir des revenus pour se sentir intégré, pour se sentir exister. Bien sûr, ce sont des prérequis indispensables, mais néanmoins, les individus, et cela va aussi avec l'évolution de notre société, ont besoin d'être reconnus en tant que personnes, que leur travail ne soit pas seulement une source de revenus, mais aussi une forme de reconnaissance de leurs compétences, de leur parcours, que en tant qu'individu, leur qualité soit reconnue. On le voit dans les liens affectifs, le très fort besoin finalement de liens affectifs où chacun va avoir sa place et va être complètement reconnu. Et qui s'explique aussi par une société qui est submergée d'informations, submergée de sollicitations, où quand on dîne avec ses enfants, ils sont happés par leur téléphone portable, ou quand on veut aller défendre un projet au travail, il va falloir se battre contre un tas d'autres projets. Donc une société aussi où l'information est totalement débordante, où toute la journée, il va falloir capter l'attention des individus. Si on reprend la question des réseaux sociaux, exister sur les réseaux sociaux, ça n'est pas si simple. Et en même temps, on voit bien que l'envie de nos concitoyens d'être sur ces réseaux, c'est aussi finalement d'être reconnu, d'être entendu, que quelqu'un les regarde. Il ne suffit pas finalement d'être bien dans sa vie. On a aussi envie que notre entourage s'en rende compte et nous reconnaisse en tant que personne. Or, les personnes qui sont isolées socialement sont plus nombreuses à nous dire qu'elles ont le sentiment d'être invisibles. Les personnes qui ne rencontrent peu leur famille proche, qui voient peu d'amis. Et donc finalement, cette situation d'isolement, elle vient renforcer une difficulté qui va créer aussi une distance avec les institutions, une difficulté aussi démocratique, on va dire aujourd'hui, hein, quand on a le sentiment que les pouvoirs publics ne nous entendent pas. Il devient difficile aussi d'aller voter ou d'aller s'inscrire dans une démarche citoyenne dans laquelle on a quand même de moins en moins confiance. Alors pour essayer d'aborder aussi un petit peu peut-être les choses d'une manière parfois un peu plus positive et puis aussi pour faire état de l'évolution de la société, j'ai souhaité vous parler des pratiques collaboratives. Certes, aujourd'hui, ce sont des pratiques qui ne sont pas encore les plus répandues. On a aussi beaucoup de choses derrière ce mot de collaboratif qui ne sont pas forcément des pratiques réellement engageantes ni réellement impliquantes. On a essayé au Crédoc de faire une typologie de ces pratiques. Toutes ont en commun finalement un échange d'individu à individu, de pair à pair, mais certaines sont très mercantiles, sans beaucoup d'échanges. Finalement même font rentrer une forme de capitalisme dans des lieux de la société dans lesquels ils n'étaient pas, c'est-à-dire qu'on a une chambre dans son appartement et on va pouvoir la monétariser alors qu'on aurait peut-être pu la prêter à quelqu'un qui venait partir en vacances. Donc voilà, on a différents types de pratiques, mais il faut aussi rappeler que dans ces pratiques collaboratives, il y a aussi des pratiques engageantes, des pratiques où on donne de soi. L'exemple le plus parlant, c'est Wikipédia, qui crée finalement une richesse pour la société, qui crée aussi une implication, parce que les gens qui sont impliqués sur Wikipédia, ils font partie d'une forme de communauté qui est valorisante aussi, hein, où ils vont pouvoir échanger et avoir un rôle dans la société. Après, si on part sur des pratiques qui sont moins numériques, mais comme les AMAP ou les jardins partagés, ou des pratiques qui ne sont souvent pas associées au collaboratif, mais qui selon nous devraient l'être, on est aussi dans des nouvelles formes de pratiques qui vont créer une forme de lien. Or, aujourd'hui, lorsqu'on se centre sur ces pratiques les plus collaboratives, le covoiturage, la colocation entre personnes âgées et étudiants, les Fab Labs, les monnaies locales, les petits cours, les échanges de livres, de services, on a 40% de la population qui nous déclare qu'au cours de l'année passée, elle a effectué un de ces types de pratiques. Donc on n'est quand même plus dans des pratiques totalement émergentes et on va dire anecdotiques.
Or, dans ces 40% de personnes hein, qui pratiquent des différentes activités ou collaboratives, les deux tiers nous déclarent qu'elles ont rencontré des personnes par ce biais. Et 11% nous disent même qu'elles ont tissé de vrais liens d'amitié. Donc, au-delà des réseaux de sociabilité classiques hein, qu'on connaît, l'école, le travail, tout un tas de parcours qui vont permettre aux gens hein, de rencontrer des gens, ces pratiques peuvent être aussi un levier pour rompre l'isolement. Elles sont en tout cas un lieu où se passent déjà des rencontres. Pour aller un petit peu aussi contre l'image d'une société où chacun serait devant son ordinateur, ne parlerait plus à personne et finalement serait isolé, on ne peut pas voir les choses de manière aussi binaire. Il y a aussi une forme d'engagement numérique. Finalement, par exemple, poster un avis politique ou de société sur Internet, c'est aussi plus engageant, hein, ça va rester. Tout le monde va pouvoir le voir. Est-ce que ce n'est pas plus engageant que participer à un parti politique ? Enfin, en tout cas, toutes ces questions numériques, elles viennent renouveler finalement notre société, elles posent des questions, elles peuvent nous interpeller sur le fait que ce ne soient plus les mêmes liens qu'avant, mais ce sont des liens en tout cas qui se créent. D'ailleurs, lorsqu'on demande aux gens quels sont les leviers, quelles sont les raisons pour lesquelles ils considèrent que les pratiques collaboratives sont intéressantes, on a d'abord l'argent, donc les questions financières qui vont faire rentrer les gens dans ces pratiques, et derrière, tout de suite et de manière progressive, c'est-à-dire c'est en progression, la question du lien social. Donc les gens vont souvent rentrer dans ces pratiques, pas toujours, hein, mais souvent parce qu'ils ont envie finalement d'avoir un petit supplément de bien-être, parce qu'ils se disent que ça va être un peu du système D, qui autant aller profiter de cours pas forcément très chers. Et puis ils vont se rencontrer qu'en faisant du covoiturage, ils vont peut-être rencontrer quelqu'un, qu'en échangeant leur appartement, ils vont avoir des liens qui vont se nouer. Vraiment un potentiel, en tout cas, on pense, avec cette société de création de liens. Alors la difficulté, c'est que c'est pas parce qu'on a une offre, une société qui crée du lien, que les personnes les plus isolées vont s'en saisir. Comme on l'a vu avec le numérique, les personnes qui sont en situation d'isolement sont quand même donc moins équipées, moins à l'aise sur toutes les pratiques numériques, sont aussi en situation de défiance vis-à-vis d'autrui. Or, ces pratiques collaboratives, elles ne peuvent marcher que lorsqu'on a confiance en autrui. Il y a un premier pas à franchir. Et donc, on ne peut pas compter sur les individus eux-mêmes pour, lorsqu'ils sont en situation d'isolement, en difficulté, pour se saisir de ces nouveaux outils seuls. D'autant plus que, je vous le disais, un des freins les plus importants à ces pratiques, c'est la peur de ne pas savoir à qui on va avoir affaire, hein, et qui est encore plus forte chez les personnes qui sont en situation d'isolement. Il y a aussi une petite peur de se lancer, hein, l'idée qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne sait pas très bien comment s'y prendre, des questions aussi d'organisation, de temps, mais qui là sont plus mobilisées par des personnes qui ont plus de revenus, qui sont plus à l'aise déjà socialement. Et puis aussi parfois simplement le fait de ne pas très bien savoir hein, ce qui existe, où aller, quel type de pratique choisir, à quel acteur aussi se référer, à quel acteur, dans quel acteur on peut avoir confiance ou pas. Ce qui donc nous amène à considérer que il y a un réel à la fois défi et en même temps difficulté pour les acteurs associatifs, pour les pouvoirs publics, pour aller mettre en relation les individus et ces nouveaux types de pratiques qui peuvent constituer un ressort et un défi d'autant plus grand qu'on a aujourd'hui des personnes qui sont en situation d'isolement qui sont relativement défiantes vis-à-vis des actions ou des différentes actions que peuvent mettre en place à la fois le tiers secteur ou le secteur public. Donc un réel défi à relever, mais notre pari, c'est qu'en le prenant, en ayant conscience en fait, en saisissant ces différents acteurs, pourraient en tout cas trouver dans ces pratiques un moyen aussi de rompre l'isolement.